Je pars en vacances. Oui. Je pars en vacances avec Ariliane, c'est une autre streameuse et youtubeuse. On a décidé de partir en vacances parce qu'on en avait envie, tout simplement. Voilà, du jour au lendemain, on s'est dit vas-y go. On avait déjà fait quelques petits trucs ensemble, on est allé en Belgique ensemble. On est allé à la LAN à Montpellier ensemble. Voilà, donc on s'est dit bah, go refaire un truc ensemble. Et c'est beau, ça fait beaucoup d'ensemble là, hein. J'arrive pas à tenir le truc. C'est mon premier vlog, je vais galérer les gars à faire un vlog. Mais du coup voilà, je vais vous vlogger mes vacances avec Ariliane dans un autre pays. Je ne vous dirai pas où, mais c'est juste un truc. Un seul indice, ce n'est pas la France. Voilà, c'est un autre pays que la France, ça va être cool. C'est un pays de ouf. Voilà, petit indice, vraiment j'ai trop hâte d'y aller. Ça va être juste trop bien. On a organisé plein de petites choses que je vais vous filmer. Je vais faire un petit vlog. Mon monteur, il est génial, donc il va vous faire le vlog et il va juste être cool parce que mon monteur, il est trop fort. Donc voilà, j'ai trop hâte. Et j'ai failli tomber. Donc là, je vais faire ma petite valise et on décolle du coup demain. Enfin, aujourd'hui, du coup, vu que vous allez avoir cette vidéo vendredi. Ouais, on décolle aujourd'hui pour ce fameux pays. Ça va être trop bien. Trop bien, j'ai trop envie d'être demain. Pour être dans l'avion. Bon, je vais pas vous dire quand est-ce que j'arrive parce que sinon vous allez avoir trop une idée de l'heure et tout ça, enfin du temps d'avion et tout ça. Donc voilà, c'est un petit voyage de dernière minute avec Ariliane qu'on avait trop envie de faire. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les idées de pays dans lesquels vous nous verrez aller, vous nous verrez bien aller. Voilà, voilà, je vous donnerai peut-être un petit indice en likant l'un d'entre eux, je ne sais pas. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram où je vais mettre full story du voyage. Ça sera un petit avant-goût du vlog. Voilà, si vous avez envie de vous spoiler un peu de ce qu'on a fait là-bas et tout ça, c'est sur Instagram qu'il faut y aller, qu'il faut aller. C'est plus français comme ça. Et voilà, je mettrai plein de petites photos par-ci par-là, voilà. Et en plus, ça vous dira où est-ce qu'on allait parce que sinon vous devez attendre jusqu'au vlog pour l'avoir. Alors que sur Instagram, je vais arriver sur le lieu, dans le pays, et je vais directement mettre une story pour vous dire où est-ce qu'on est quand même parce que je vais pas vous le cacher pendant 10 ans, quoi. Et voilà, je suis un peu malade hein, comme vous voyez à ma voix. Super, je tombe malade deux jours avant de partir. En fait, ouais, dès que j'ai dit que je partais en vacances, mon corps s'est dit go être malade quoi, ça va être super. Et n'hésitez pas à aller également sur Twitter où je vais mettre plein de petites posts et tout ça. Ah oui, c'est ça le plus important. Effectivement, je vais faire plein de streams, de live en direct du lieu en question. J'ai failli dire le lieu. Et du coup, je vais vous mettre faire plein de petits streams. Il y en aura au moins un par jour, je pense. De là-bas, je pense que ça va être super. J'ai un forfait à l'international, donc je peux me permettre de faire des streams. Et ça va être cool. Voilà, bon les potes, je suis trop contente. Voilà, du jour au lendemain, je prévois un voyage. C'est la première fois que je fais ça. Ça me stresse d'ailleurs, parce que normalement, j'organise mes voyages bien à l'avance. Bon, j'en ai fait deux dans ma vie, mais bon, voilà quoi. C'est déjà pas mal, hein, en vrai. En vrai. Et du coup voilà, normalement je m'organise bien à l'avance où je prévois tout ce que je vais faire, même quand c'est en France. Je prévois tout ce que je vais faire jour par jour avec les heures, le temps de trajet, nanana. On n'est pas un peu organisatrice excessive nous, un petit peu. Mais du coup voilà, là j'y vais vraiment, enfin en deux jours on n'a pas vraiment pu tout organiser, surtout que moi je suis étudiante donc j'avais cours et tout ça. Mais ça va être trop bien, et je le sais. Voilà. Bon les gars, merci beaucoup de me suivre, vous êtes énormément, on a dépassé les 50 000, donc je vous en remercie de vive voix. Il était temps, c'est ma deuxième facecam, donc voilà. Merci à tous, je vous aime énormément. On se retrouve du coup pour le vlog, et j'espère pour la plupart d'entre vous sur Instagram, lors de mes stories, tout ça. Voilà, je vous aime beaucoup.